Salut et bienvenue sur un nouveau streaming, et aujourd'hui nous allons faire quelque chose de très spécial, pas du tout. Hier j'ai enfin eu Evoli d'ailleurs, je tiens à le préciser, et derrière j'ai essayé d'avoir Tarsal pour atteindre une chaîne de 17. Mais disons que voilà, 13 chaînes sans jamais dépasser 10, ça fait beaucoup. J'ai calculé les probas et j'avais moins d'une chance sur 1 million que tout ça m'arrive. Donc voilà, c'est... Enfin j'avais moins d'une chance sur 1 million, mais on en était très proche. Ouais, donc je sais pas combien de vues a fait la VOD d'hier, mais voilà, elle est totalement véridique, le titre est totalement vrai. Ce qui m'est arrivé avait des chances, mais rikikit, d'arriver. Et pourtant, c'est arrivé, le jeu a décidé de m'enculer. Mais bref, au moins j'ai eu Evoli, c'est déjà ça, je l'ai eu vite. Même si la chaîne de 17, j'ai mis beaucoup de temps à l'atteindre. Derrière, on a mis que 45 minutes pour avoir le shiny. Donc c'est plutôt cool. Aujourd'hui, on va faire quoi du coup? Voilà, vu que Tarsal il veut pas et que ce soir j'ai envie de faire du Pokémon Unite, je ne vais pas faire de chasse aujourd'hui, j'en ferai peut-être demain, mais non, bah non, demain c'est Noël, donc non. Demain c'est mort, samedi peut-être. Samedi je sais pas, après samedi je risque de faire du FNAF justement. Donc je sais pas trop. Mais bref, j'essaierai de me démerder pour faire quelque chose. Je sais pas quand est-ce que je ferai de la chasse, mais bon. Au pire, ce qu'on peut faire, c'est de la chasse de Shemin. Mais bon, déjà, on va commencer par quelque chose. Aujourd'hui, ce que j'ai l'intention de faire, c'est déjà c'est d'aller prendre Porygon ici. C'est pour ça que j'y suis. Parce que hier, bah, on a vu que je pouvais l'avoir, mais maintenant, il faut que je tombe dessus. Mais voilà, 5% de chance, hein, comme Evoli, de tomber dessus. Et voilà, et maintenant, je sens que je vais jamais tomber sur Porygon, mais que je vais tomber que sur des Evoli. Donc voilà, on est au jardin trophée, chaque jour un Pokémon change quand on parle au directeur du jardin trophée. Et l'ordre, c'est en fonction du Pokédex, en fonction de l'ordre des Pokémon dans le Pokédex. Et si t'as Evoli, le lendemain, tu as Porygon. Voilà. Et j'ai pas Porygon. Et c'est l'un des Pokémon de la première génération qu'il me manque, hors perle que je peux avoir. Après... Dès qu'on aura fait ça, bah je pense pas que je ferai du clonage, j'en ai pas besoin spécialement. Bon, pour Evoli, pour avoir toutes les évolutions, je le ferai, mais aujourd'hui il n'y a pas trop besoin. Ce qu'on fera en revanche par contre, c'est qu'on ira chercher Barpo, comme l'indique le titre du stream. Et d'ailleurs, en écrivant le titre, j'ai eu l'idée du nom qu'on pourra donner au Milobelus Shiny que j'aurai. Ça sera Poisson de l'eau, tout comme Oiseau du ciel. Bon, gras ou de la terre, pas vraiment, tu vois. Mais on est dans la vibe oiseau du ciel. Je sais pas si pour Nala, bon, si je devais lui donner un nom de ce style, je sais pas. Félin. Ah non, je sais pas. Mais je pense en vrai, genre juste tu prends le truc général en mode bah voilà, étourmis, et ça vient de l'étourneau. Et juste bah c'est un oiseau donc tu l'appelles oiseau. Milobelus c'est un poisson donc tu l'appelles poisson. Enfin c'est une espèce de serpent de mer mais bon, on se fait pas chier. J'aime bien ce délire là. Juste tu donnes des noms super généraux du coup. Bon Melocric il a son nom, on sait rien à foutre du coup. Mais voilà, un Lumivolt tu vois, si je veux le jouer, je l'appelle insecte quelque chose, tu vois. Insecte inutile par exemple. Insectosef. Franchement c'est bien je pense. Pour Lumivol et Musiole. Bon j'ai pas de chance quand même hein. Une chance sur 20 je rappelle de tomber sur Porygon pour le Pokédex. Après faut que je me renseigne pour voir comment on a Barpo. Je vais faire une notification de streaming d'ailleurs. Et aussi on va voir si je peux oui ou non avoir Thune Infinie dans les souterrains, mais je crois que non. Bonsoir, on va chercher un Barpo. Et on va faire du Masuda. Voilà. Du Masudo. Du Masuda. Paf. Voilà, n'hésitez pas à venir sur le Discord avec la commande point d'exclamation Discord pour être notifié des streams. Même si vous avez 20 milliards de notifications Discord parce que vous êtes sur plein de Discord. C'est pas grave. Moi perso, j'ai aucune notification parce que je n'aime pas avoir des notifications. Mais bon, ce n'est qu'un détail. Fuite, oui je veux fuir.
Alors, déjà, je vais regarder dans le Pokédex de la une génération. Du coup, là, il me manque pas grand-chose, hein, que je peux avoir dans mon jeu. Il me manque Nonneuf et Kangourex qui sont dans le marais. Porygon que je suis en train de faire. Kabuto et Ptera, mais je crois qu'il y en a un qui est pas dans ma version. Le trio des oiseaux, Mewtwo. Et les évolutions de Débugant. Mais Débugant, ça pareil, on peut faire du Masuda pour avoir un Débugant avec les bonnes stats. Héros cool, mais qui est en troupeau, donc bon. De toute façon, je pense que le Pokédex, je l'aurais fini seulement quand il y aura le GTS. Je pense que je le finirai pas avant, et de toute façon, bah, j'ai pas le choix parce que je suis obligé de faire la mise à jour si je veux les Pokémon de perles. Mais bon, hein, tant pis. Hein. Bon, voilà, déjà 5 minutes que je tourne en rond, un peu plus en vrai. Parce que avant de lancer le stream, bah, en attendant de redémarrer mon ordi parce qu'il a blue screen, super, bah, j'ai tout simplement commencé à tourner en rond. Donc si je pouvais tomber sur Porygon, ça serait plutôt cool. Pikachu, yes. En vrai, si on tombe sur un... Je pense que je vais le capturer le Pikachu pour le Pokédex, parce que je l'ai pas. Il me semble que je l'ai pas capturé Pikachu. Donc comme ça c'est fait. Et si on tombe sur un Pichu, pareil, je vais le capturer. Ah mais Pikachu, il a un taux de starter. Donc il voudra probablement pas rentrer. Parce que j'ai toujours pas de Pokémon spéciaux de capture. Hein. Ouais, ben, faut juste spammer bêtement. Waouh, un PV que je régène. Waouh, bravo Pikachu. C'est vrai que Pikachu, je l'ai pas mis dans la liste, mais je l'ai pas. Hein. Pourtant, j'avais noté vraiment tous les Pokémon que. Dont je n'ai vraiment pas le membre de la famille, bon sauf Kiklitignon, parce que bah, Débugant fait partie d'une autre génération. Ouais bon hein. Ah, je suis fatigué, comment t'es possible? Bon, au final j'ai démarré le stream plus tard que prévu. Ah non, j'avais dit que je le démarrerais vers 17h, donc non, ouais, je suis même en avance. Bon bah Pikachu c'est fait, et du coup bah si on tombe sur un Pichu on le capture. Hein. Oh! Putain, il fait 6 kilos quand même. Ça doit être chaud de l'avoir tout le temps sur soi, Sacha. Ah bah voilà, je m'en doutais. Je m'en doutais que je tomberais sur des évolis avant Tignon. C'était sûr. C'était sûr. Normalement, j'ai moins de chances de tomber sur un Évoli qu'un Porygon pour dire à quel point là j'ai pas de chance. Mais bon, hein, hier j'ai tellement été maltraité par la non-chance que franchement, tant pis quoi. Bon, du coup, je note pas que j'ai Pikachu parce que je l'avais. Enfin, je l'avais même pas mis dans ma liste. Bon, après, ouais, voilà, si on tombe sur un Pichu, en vrai, ça m'arrange. Comme ça, je suis pas obligé de faire un œuf. De Pikachu, mais en vrai ça change pas grand chose. Ah bah batterie faible, c'est bien ce qui me semblait quand même. La manette, je l'ai pas branchée depuis longtemps. Bah en vrai, pour pas être emmerdé, bien joué dessus sur Pokémon Unite, je vais la brancher maintenant. Oula. Par contre, je sais pas si j'ai de. Vas-y, je vais la brancher sur mon Mac. Hop. Paf, voilà, je la mets là. Et du coup, bah, je vais ressortir mes bonnes vieilles manettes avec le petit Joy-Con Drift, avec le petit Joy-Con Drift. Bien embêtant, mais bon, tant pis. La batterie dure quand même très longtemps. Ne pas se connecter. Bon, attends, je vais mettre en veille ma Switch.
Je vais la rallumer. Et je vais me connecter avec ces manettes. Voilà. Ah, ça fait bizarre. La transition. Ah ouais, non, ok. Oh ouais, je comprends. Je suis beaucoup plus à l'aise avec l'autre. Oh, on évolue. Est-ce que je suis étonné? Pas du tout. Est-ce que je m'attendais à ne pas croiser de Porygon, mais que des évolues totalement? Je savais que ça arriverait. C'est tout le temps comme ça, de toute façon. Quand il y a des probas, quand il y a des probas plus élevés que des probas hyper faibles, bizarrement, quand les probas faibles ne m'arrangent pas, eh ben, elles arrivent beaucoup plus que les élevés. En fait, j'ai le droit de m'énerver si je tombe plusieurs fois d'affilée sur des évolues. Ça se trouve, faut que j'aille reparler au PNJ. Allez! Oh, quand même. Bon, après 10 minutes là pour avoir un Pokémon, j'ai une chance sur 20 de l'avoir. Ça va en vrai. Et bah voilà. Bah, je suis tombé sur deux Evoli, un Pikachu, un Pichu. Bah, cool de voir en tout cas que je tombe sur les Pokémon qui ont quasiment le même pourcentage de popé quoi. Ça fait plaisir. Ah oui, j'ai pas regardé sur internet. Ah, mais j'ai déjà un Pichu! Ah, mais c'est pour ça que je l'ai pas noté dans ma liste. C'est parce que j'avais déjà un Pichu! Bah en vrai ça m'arrange d'avoir un Pikachu et un Pichu parce que les veaux au bonheur voilà quoi. Alors je regardais sur Pokébib voir quand même le taux. Enfin juste pour voir pourquoi j'ai pas de chance. Jeu vidéo Pokémon Diamondo. Alors pourquoi j'ai pas de chance le jeu? Alors jardin trophée. Alors quels sont les pourcentages? Bah en fait t'as juste 5% d'avoir le Pokémon rare. Bah cool en tout cas d'être tombé sur le Pokémon rare deux fois de la veille mais pas du jour même. Et du coup je vais regarder comment on a Barpo. Parce que Barpo je pense qu'il est il est spécial. Remplir les Pokédex national. Barpo. Il est au Mont Couronné. Et du coup faut l'évoluer avec la beauté à 170. Oh, c'est chiant. Ah donc faudra faire des concours avec. Est-ce que... Ah bah voilà. Et du coup Barpo. Cet outil permet de déterminer deux cases de Barpo. Ah oui donc en fait c'est dans certaines cases. Oula, attends. je vois qu'il y a une méthode particulière pour l'avoir. Si votre jeu n'est pas mis à jour à la 1.1.3, vous pouvez toujours utiliser l'ancienne calculatrice, ok? Les deux tuiles rouges ouvertes peuvent générer des filles basses. Ça signifie que si une des tuiles rouges ne vous donne pas... Alors les deux, si vous pêchez avec votre Pokémon en tête, chaque fois que vous pêcherez, vous aurez un hameçon garanti. Vous pouvez attraper un Machoke sans garde dans la même pièce. Vous pouvez... Hein? Attends, je comprends pas le délire. En gros, il y a 4 cases. On va dire que t'as 2 paires de cases. S'il y a pas Barpo dans l'une, c'est forcément dans l'autre. C'est quoi cette histoire de numéro de loterie? Ah oui, ça dépend. Ah mais c'est quoi cette histoire de loterie? Je ne comprends rien. Oula. Ouais, attends, je vais regarder une vidéo, je pense, hein, parce que... Fille basse. Pokémon Brian Diamond. Ah bah c'est bon, on a déjà lu.
Comment obtenir des Phibas? Je veux des Phibas. Phibas qui est le nom, bien sûr, en anglais. Bon bah, on est parti. Donc faut que j'aille au mont Kurene. Alors dans sa vidéo, le mec... Ah, faut regarder le l'auto-ticket number, j'imagine c'est... J'imagine c'est ton idée de dresseur ou un truc comme ça. Donc on doit aller à Félicité. Et chaque jour ça change. Et ça se base sur un code de internet. Allons-y. Bonjour. On va partir au numéro d'idée d'un de vos Pokémon. Ouais, vas-y. Alors, 13289. Alors, 13289. Ok. Donc là, après, j'utilise ce chiffre bah, sur le site. Et après, du coup, faut que j'aille au mont Kurene. Bah, en vrai, ça va, Barpo, il est trop simple à, à aller chercher. T'as juste une chance sur deux après de tomber dessus, quoi. Ah oui, par contre, faut que je passe par le mont Kurene, lequel? Je crois que c'est le mont Kurene de Vestigion. Donc, du coup, ouais, aujourd'hui, ce qu'on va faire, bah, c'est du Masuda. Pour tenter de choper Barpo. Ce serait bien que dans l'histoire de Pokémon Legend Arceus, il y ait ce Pokémon-là. Ce serait bien. Moi, je pense que c'est un teaser. Ils ont fait exprès. Ouais, ça serait cool. Ouais, non, c'est... Ah, je sais pas si c'est là. En fait, je sais plus... Ah ouais, je vais utiliser un repousse. Je sais plus où mon couronné, c'est où t'as une grande partie d'eau. Je sais plus si c'est celle-ci ou celle de Charbourg. Bon, de toute façon, dans les deux cas, on va regarder les deux. Enfin, si c'est pas celle-là, c'est que c'est l'autre. Attends, ils sont où mes repousses? Ils sont où mes 400 repousses? Ils sont là. Putain, dire que j'en ai utilisé 50 juste pour Evoli. Pour ça, il y a besoin d'argent. Et il me semble normalement pour la chasse, là je suis déjà prêt. Hein. N'empêche, c'est fou de se dire qu'il y a vraiment genre 50 mètres entre Celestia et Vestigion. Bah yes. Hein. Alors, est-ce que c'est ici du coup? Alors, il y a de la brume, mais je crois pas que ce soit l'endroit que je cherchais. Ok, si, c'est là. Donc du coup, selon le wiki... Ah ouais, mais putain, mais le coup des caisses d'eau, c'est trop chiant. Hein. Donc là, il y a trois caisses d'eau. Je suis là, et du coup, faut que je monte de deux crans. Ah oui, mais attends, est-ce qu'il faut que je pêche là? Est-ce qu'il faut que je pêche depuis ma case ou en visant cette case? Bon, attends, je désactive le radar. Oh, et là, imagine, fallait activer le charme. Et Phibas, comment on peut l'avoir? Ah mais le mec dans son tuto il montre presque rien. Bonsoir, comment ça va? Bah écoute, ça va très bien. J'ai eu Shiny hier, Evoli du coup. Hein. J'ai eu ce petit bâtard. D'ailleurs je l'appelais petit bâtard. Parce qu'il a mis du temps à arriver. Enfin il a mis que 45 minutes. Mais bon. Voilà, bah sinon, la vraie question, c'est comment toi tu vas? Bien évidemment.
hop, assigner un bouton. Et du coup, bah aujourd'hui, on part sur de la chasse, de FIBAS comme le disent les Anglais. Ah oui, je pense qu'il faut que je vise la case. Ouais, vas-y, je vais faire ça. Tac, hop. Et donc là, si tout allait bien, là nous avons Barpo. Moi, je vais bien. Et bah, c'est cool. Oh, un Magikarp, Pokémon légendaire de type O. Alors, faut Good Super Rod. Mais comment tu connais ta case? En gros, je suis allé à Félicité. Je suis allé dans le bâtiment, dans un gros bâtiment. Je sais pas comment il s'appelle, mais je crois que c'est le bâtiment de la Pokémontre. Et si tu veux, je te montrerai après. Mais en gros, faut parler à un PNJ qui va te donner un numéro de ticket. Et ce numéro de ticket, tu dois le rentrer sur un site qui va te calculer la case dans laquelle tu peux trouver Barpo. Sachant que ça te sort 4 cases, 2 rouges et 2 vertes. Et si c'est pas dans les cases rouges, alors c'est dans les vertes. Et là, je suis en train de tester les cases rouges. Mais je pense que je vais faire 4 pêches par dans cette case rouge. Après, j'en ferai 4 dans une verte. Et bah, si je l'ai toujours pas, bah, je vais retester une dans les autres rouges, dans les autres vertes, etc. Mais ce numéro ne change pas tous les jours. Bah, il y a des chances que ça change tous les jours, mais j'en ai aucune idée, honnêtement. Je sais pas en fait si ça dépend de ton jeu ou non. C'est pour ça, je sais pas, faut vérifier, mais malheureusement, bah, j'ai pas envie de time travel. Putain, je tombe rapidement sur des Poké quand même. Là, on fait du reset de Magikar. Ah bah, on peut avoir des barloches. Bon, vu qu'on est censé avoir une chance sur deux d'avoir Barpo, j'imagine qu'il est pas dans les cases rouges. Bon, après, voilà, ça veut dire une chance sur 8 pour que je tombe pas sur Barpo 4 fois d'affilée. Voilà, avec Evoli, disons que je me suis... Enfin, disons qu'avec Tarsal, je me suis vraiment fait enculer à mort avec les probas, donc je ne serais pas étonné que je me fasse niquer encore. Mais bon. Mais ça se trouve, faut que je pêche depuis la case verte. Ça se trouve, c'est pour ça que j'ai pas. Parce que le jeu de base des caisses Barbo changeait tous les jours. Ah oui, c'est pour ça... Ah bah voilà. Bah du coup, moi, c'est bien les cases vertes. Bah du coup, ça marche bien. Bah écoute, je vais le capturer. Hein. Paf! Bah ce fut rapide. Hein. Évidemment, on capture à la balle. Bah du coup, ce que je vais faire maintenant... Ouais, du coup, sur Pokébip, il te dit ça tout de suite permet de terminer deux cases de Barpo. C'est bien, merci. Merci le jeu. Allez, Megacan, on peut pêcher des Léviators. Rien que ça. Tu savais qu'il y avait un endroit où on pouvait pêcher des Magikarp level 99? Moi, je l'ai appris grâce à une vidéo. Sinon, je ne savais pas. Bah, du coup, on peut se barrer. Hein. Ce serait bien s'il y avait tunnel. Parce que du coup, je suis obligé d'utiliser une corde sortie. Tu vas le Masuda? Ouais, je vais le Masuda. Hein. Oh, j'ai fait une toupie Beyblade. Beyblade hyper vitesse. Ta-ta. Alors, j'aimerais bien sélectionner le chat. Voilà. Ok. Donc, du coup, le coup du lot de tickets, ouais, tu vas féliciter. On peut quand même pêcher les Magikarp au niveau 100. Non, normalement ça va pas jusqu'au niveau 100, sinon bah, tu peux pas avoir de Léviator. Enfin, il me semble, après ça a vérifié encore une fois. Donc voilà, c'est dans ce bâtiment là. Et après, faut parler à cette PNJ là. Et elle va te donner un numéro de ticket et puis voilà. Et après, bah, faut le rentrer sur l'outil qui va te calculer. Et voilà. Et bah voilà, bah, on a notre Barpo. Il me faudrait un Pokémon avec corps ardent, je crois. Je crois pas que j'en ai un. Je sais pas qui a ce talent. Alors on en a pas mal, mais dans la 1G on a Galopin, Volcaropod, Magmar qui peuvent les avoir. Et Heatran, mais Heatran, je l'ai pas.
Lui, la armure magma. Je crois pas que j'ai de Ponyta. Hein. Peut-être que Volcarapod il l'a. Non, armure magma. Ah si, j'ai un Ponyta. Et il a torche. Ouais. Comment je peux faire? Ce que je peux faire. Armure magma marche aussi. Ah bon? Attends, je vais regarder. Imagma. Talent. Armure magma, les œufs éclosent plus vite. Ah oui. Bon bah let's go. Je savais pas, je croyais qu'il y avait que corps ardent. Eh bien partons sur ça. Hein. Maintenant faut que je les retrouve. Ah bah merci de me l'avoir dit parce que sinon je serais allé chercher des. Je serais allé chercher des volcaropodes et tout. Bah attends, ce que je vais faire. Je vais mettre mon équipe. J'ai récolté son 9 chances à lui. Hop. Ah, il en a pas? Bah, super. Et je vais mettre mon équipe du coup dans la boîte des shiny. Regarde, il est beau, il est là. Regarde. Oh, il est si beau. Je me souviens que je faisais mes œufs avec un Camerupt Armure. Ok. Bon, bah. Merci de l'information. Ah oui, c'est vrai que j'ai des triopiqueurs avec des pierres plantes. Oh, les stats de Vétoraptor, elles sont insane. Hein. En termes de vitesse et d'attaque. Ouais, bon, en termes de défense, il est beaucoup plus bas qu'Archa. En termes de PV, il en a beaucoup plus aussi. Bon, c'est plutôt cool. Bon du coup hein, on va faire Attends, au niveau des EV c'est quoi? C'est la pierre stase je crois. Non je sais plus. De rien. Oh là là là, qu'est-ce qu'il est gentil. Attends. Ouais, sur Pokébib, je devrais avoir l'information, je pense. Jeu vidéal, pension. Ah non, pension j'ai pas. Élevage. Guide des EV. Élevage stratégique. Capturer des Pokémon avec de bons IV, le radar. Waouh, IV garanti sur une chaîne de 99, cool. Juste, j'arrive même pas à atteindre une chaîne de 10 avec Tarsal. Alors une chaîne de 100, c'est quoi les chances de l'atteindre, juste? Parce que ça doit faire beaucoup. Oh, ça va. Ah bah les chances que d'atteindre une chaîne de 100, bah c'est genre 8 fois plus élevé que le nombre de fois où ma chaîne s'est pété vite hier. Genre, c'est n'importe quoi. Les IV, c'est le nœud destin. La pierre stase, c'est pour la nature. C'est vrai que la nature, je pense qu'on s'en fout un peu hein, pour un barpo. Wesh, il peut avoir adaptabilité. Mais est-ce que Milobelus là aussi? Milobelus, il a écaille spéciale. Ah ouais, on s'en fout en fait. Augmente la défense de 50% si le Pokémon souffre d'un problème de statut. Augmente l'attaque spéciale de 2 niveaux avec battant lorsqu'un adversaire baisse une stat. Oh, ça c'est pas très intéressant, ouais. Je dirais écaille spéciale. Hein. Après il y a joli sourire qui peut ne pas être dégueu, mais je pense que c'est plus intéressant de jouer à... Je sais pas, je vais regarder les Milobelus strat comment ils sont joués. Avec quel talent. Reste avec écaille spéciale là je vois. Ah bon bah rip. Ouais. Tant pis. Hein. En plus je vois qu'il combatte bien avec des Pokémon. Il combatte bien avec des Pokémon okay. Qui sont pas de la 4G. Enfin pas en dessous. Ouais, ébullition, soin toxique et je partirai sur un laser glace.
Est-ce qu'il peut apprendre pouvoir lunaire à la limite? Je sais pas, on sait jamais. Non, il peut pas, hein. Je t'ai persuadé. À cause d'Oratoria, je pense. Je dirais modeste pour un Milobelus. Ah oui, après la nature, je m'en fous. Hein. Ah non, tu me disais la nature! Ah non, oui, là on a la nature, je crois que tu me parlais du talent. Ah oui, la nature, attends. Ce qui. Il a quoi lui? Il a rigide. C'est quoi rigide? Plus attaque, moins attaque spé. C'est pas ouf ça. Sinon, ce que je peux faire, c'est faire des œufs jusqu'à avoir une nature qui m'intéresse. Genre là, il est quoi? C'est quoi rigide? Attends, modeste. Modeste, c'est quoi? C'est plus vitesse? Ah, il me parle pas de modeste là. Modeste nature Pokémon. Ça doit être moins attaque plus vitesse j'imagine, quelque chose comme ça. Plus attaque spé moins attaque, d'accord. Hop. Oh, oh je sais pas si. Est-ce que ça m'intéresse tant que ça. Attends, je vais revoir Milobelustrat et voir quelle nature il conseille. Pour le set là avec les restes et compagnie. Plus def, moins attaque spé. Moins attaque spé. Ah oui, c'est pour maximiser les dégâts sur au revoir. Sauf que au revoir, ben, on l'a pas trop dans le zoo là. Ouais, non, je partirais sur un plus défense, moins. Moins attaque. Hein. Parce que si je tape laser glace ébullition, on m'en fout quoi du reste. Et quelle est la nature qui fait ça? Un moins attaque, plus défense. Bah, il y en a pas. Y a pas moins attaque plus défense. Ah si, assuré. Donc il nous faut un assuré. C'est ce que je veux. Modeste c'est l'inverse d'origine. Ok. Et lui il est timide. Ah oui donc lui il est plus vitesse, moins attaque. Ah bah c'est exactement le talent que je trouvais plutôt bien. Bah en vrai soit. Ah mais en vrai je pense que la vitesse c'est pas très important hein, avec un Milobelus. Hein. Il a combien en vitesse? Ouais il a 80, on s'en fout de la vitesse, ça va. Putain, il a des bonnes stats quand même. Quand tu regardes en termes de bulk, s'il est plus défense, je pense que ouais. Il a un bon bulk équivalent 95, 90, 125. Très chaud en vrai. Et après, du coup, en IV, full HP, ça m'étonne pas. Beaucoup en défense et le reste en vitesse. Ah oui, j'imagine là, les 208 de défense qu'il faut mettre, c'est pour le mettre à égalité. En termes de def et de def sp, probablement. Et du coup, en termes de stats, c'est comme j'imagine que c'est comme s'il avait genre 120 en PV, 120 en def et 120 en def sp. Ouais, assuré, ça me paraît bien. Moins attaque, plus défense. Comme ça, au moins, on peut taper un minimum avec mon attaque spéciale, tu vois. Donc ouais, on va chercher à avoir un barpo assuré, du coup. Vas-y, je vais le mettre dans la boîte. Bon, attends. En vrai, on s'en fout. Je vais le laisser là. Et on s'envole. Tu t'envoles. En plus, l'attaque physique balague sur un Milobelus. Mais c'est pour ça que dans le set strat, là, je comprends pas pourquoi ils mettent moins attaque spéciale pour la nature. Parce que... À part pour au revoir, franchement, après c'est vrai que je pense que tu pivotes beaucoup plus avec au revoir que tu utilises ébullition sur ce set. Mais franchement, non. Moi je vais jouer ébullition, laser glace, soin toxique, ça me paraît bien, avec des restes. Je pense que c'est bien. Bonjour, je suis Papy Garderie, nous bûchonnons les Pokémon chez les adversaires. Va voir ma femme, d'accord. Tiens, on va regarder l'application des pas. Je suis Mamie Garderie, nous pouvons prendre soin de Pokémon si tu veux, ça t'intéresse? Oui. Quel Pokémon veux-tu me donner? Je veux donner lui et je vais donner un de mes métamorphes. Et du coup, on va faire des bébés. Ah mais attends, au niveau des œufs, il met combien de temps à éclore?
5000. Oh là là, c'est long. Mais après, cœur ardent, ça fait que c'est deux fois plus rapide, je crois. Mais le bélus, ça prend toujours toxique. Oh bah, je pense que oui. Bah ouais. Ah non, il la prend pas. Mais attends, mais dans Diamant et Perle, il pouvait la prendre. Pourquoi là, il peut plus? C'est sérieux? Mais je comprends pas ça. Pourquoi y a des attaques? Genre, t'as des Pokémon, ils peuvent apprendre des attaques dans Diamant et Perle. Mais par contre, dans les remakes, ils peuvent plus. Pareil, la Vibraqua, à partir de Noir et Blanc, il peut plus la prendre. Par contre, dans les remakes, il peut la prendre. Mais ça n'a aucun sens. Ouais, mais qu'est-ce que je peux jouer à la place? Ah ouais, mais ça fait chier. Peut-être clonage. Peut-être machine. Ah, je sais pas. Ah ouais, mais le fait... Bah, heureusement que tu demandes. Mais mec, j'étais persuadé, moi, que tout le monde apprenait toxique. Oh, c'est chiant, ça. Bon, soit on lui donne... Ah ouais, mais même soin, si ça se trouve, il peut pas l'avoir. Ouais, non, soit il l'apprend. Soit il l'apprend tout le temps. Fontaine de vie. Le lanceur projette une eau mystérieuse autour du terrain pour restaurer ses PV et ceux de ses alliés au combat. Ah, on peut jouer un full vie, tu vois. Et fontaine de vie, ça restaure combien? Restaure 25% des PV max au lanceur et ses alliés. Ah oui, mais non, c'est de la merde. On n'a pas besoin. Je sais pas, qu'est-ce que... Je sais pas, je vais regarder un autre set de Milobelus parce que... Parce que là, t'es pas quoi faire, quoi. Ébullition laser glace, Dracoque soin. Optionnel, voile miroir. Ça fait quoi, voile... Ah ouais, assuré, là, tu vois. Talent, écaille spéciale, nature assurée. Full PV, full défense, le reste en DevSP avec l'orbe flamme. Dracoque empêche les Pokémon adverses de booster. Et Dracoque, t'as une précision de 90. Ouais, c'est vrai que ça peut être bien. Et voile miroir, ça fait quoi? Une riposte qui compte n'importe quelle capacité spéciale en infligeant le double des dégâts subis. Pas sûr. Ah oui, bah renvoie l'attaque de l'adversaire en infligeant le double de dégâts. Franchement, non. Le coup de Dracoque, en vrai, c'est intéressant. Tu t'en fous, c'est pas une attaque pour faire des dégâts, c'est juste une attaque pour faire switcher l'adversaire, pour l'empêcher de... Même pour taper des... En vrai, non, ça peut être bien. Ébullition, laser glace, Dracoque, soin. Avec, ouais, orbe flamme, où il reste. Avec un clone, ça serait trop bien, tu sais. Imagine, tu viens sur un Pokémon qui peut rien te faire, tu poses un clone, et après, bah, tu spams Dracoque. Tu spams Dracoque, et comme ça, paf, tu prends tout le temps des dégâts des pièges de roc. Il y a pas mal de Pokémon qui n'ont plus accès à toxique. Bah ouais, du coup, hein. Mais je suis assez deg. Bon, en vrai, je sais pas si c'est si intéressant de donner l'orbe flamme. Parce que le problème, c'est que si tu joues les restes, c'est bien, tu te heal, mais ton talent, il te sert à rien. Ouais, au pire, t'as soin. En vrai, je pense que je verrai en combat. Si je joue l'orbe flamme ou les restes, mais je partirai plutôt sur une orbe flamme, en vrai. Après, faudra que j'aille la farmer. C'est le seul souci. Je vais bien m'occuper de Barpo et de... Allez, reviens quand tu veux. Paf. Boum, bam, bam, bam. Ouais, mais on part sur ça. Ébullition, laser glace, Dracoque. Faut que je vais screener. Je vais screener, je vais prendre ce set. Orbe flamme, vas-y, je vais tout choper. Comme ça, je sais. Ok. Tac, tac, hop. On est type art. Ça sert à quoi de se brûler? Bah, t'as des Pokémon comme Crank si on leur attaque doublé quand ils sont brûlés. Ah oui, attends, du coup, là, faut que j'utilise la bicyclette. Et t'as des Pokémon bah, comme Milobelus qui ont écailles spéciales. Qui fait que quand il est brûlé, sa défense est multipliée par 2. Ouais, du coup, Dracoque, c'est juste un petit grattage et qui force le switch. Mais voilà, c'est petit grattage parce que vu que t'es divisé par 2 en attaque, ouais, tu fais que 60. Ah, c'est pour ça que le set avec au revoir, c'était avec les restes.
Parce que au revoir, si t'es brûlé, aucun intérêt, tu vois. Et du coup, ouais, vu que ça double la défense et que Milobellus est un Pokémon assez tanky de base, c'est plutôt intéressant. C'est parti, hein. Voilà, bah, bienvenue dans la chasse. J'espère que ça va vous plaire. Est-ce que t'as déjà des œufs? Ah, c'est toi, ils nous ont fait un œuf, bonbon. Œuf, rejoins votre équipe. Donc, faut faire 5000 pas. Ça va, c'est pas long. Ouais, déjà, au moins, l'avantage, c'est qu'on peut en faire en diagonale, les pas. Ah ouais, attends, faut que je mette un compteur d'œufs. Attends, mais oui. Hop, je switch sur cette scène, du coup. Hop, bah oui, j'avais oublié. Tac. Compteur. Plip, plop. Paf. Bon, du coup, on est à 23 tarsales. Pour la chaîne. Ouais, que 23 chaînes de tarsales pour ne jamais dépasser 10 au final. Allez, on est parti, on va compter les œufs. Ah ouais, du coup, attends, faut que je modifie tout ça. Bureau. Twitch. Diamant. Shiny DEPS. Fibas. Ah, je l'ai déjà préparé. Paf. Bon, du coup, Tarsal. Vas-y, je vais. Hop. Et. Lui, on le met là. Voilà. Chasse actuelle. Voilà. Et là, on est bien. 5000 pas, c'est tranquille. Mais cœur ardent, ça fait quoi? Ça divise par 2 le nombre de pas ou pas? Ah, c'est toi, t'es comme nous, on fait un 9. F, rejoins votre équipe. Alors, combien d'œufs? Quelles sont mes chances d'avoir un Shiny? Le mec, il se déconcentre super vite. Chromatique œuf. Masuda. Pokémon Brian Diamond. Alors, le hasard. Ah, le hasard, c'est marrant. La méthode Masuda. Alors, après quelques secondes, ils vont donner un œuf, blablabla. Si l'un des parents est d'un autre pays, le bébé a une chance sur 683 d'être shiny sans le charme chroma. Et une chance sur 512. C'est tellement ridicule. Les chasseurs de shiny vétérans cherchent à trouver un métamorphe car il peut se reproduire avec presque tous les Pokémon. Ok. La technique Masuda nécessite d'être en ligne pour trouver l'espèce reproductrice parfaite. Ouais. Bon, ouais, une. Oui, ça divise par deux. Ah, bah ça va alors. Attends, du coup, c'est quel item qui me permet. Y a pas moyen de faire en sorte que je donne un item à Barpo pour lui donner la bonne nature et un item à Métamorphe pour garder des IV. Y a pas moyen. En vrai, les IV, je m'en fous. C'est juste la nature qui m'intéresse. Ouais, les IV, je m'en bats les couilles. De toute façon, je monte le Pokémon niveau 100 et je suis full IV. Ah, c'est toi, c'est Pokémon, t'en fais un œuf. Tiens, donne-moi. Donne-moi le œuf. Paf. Est-ce que c'est plus rapide comme ça ou comme ça? Ouais, ça revient quasiment au même. Prends tes IV quand même si t'as l'objet, ça coûte rien. Wouah. Ah mais j'ai pas l'objet je crois. Ah c'est toi, t'es comme ça. Ce serait bien si j'avais un robot qui faisait des tours tout seul. Nyon. Ouais t'es pas comme ça, ils ont un fer neuf. Putain déjà, mais mec ça va si vite. T'as pas de nœud destin. Je crois pas. Hein. Et c'est quoi, c'est quel item qui me permet de garder la nature? Ah c'est toi. Ils font plus d'œufs. Peut-être parce que je suis full. Oui.
je fais totalement bugger la musique du jeu. La nature, c'est avec la pierre stase. Ah bah parfait, parce que j'ai la pierre stase. Vas-y, je vais mettre ici. Putain, j'ai totalement fait bugger la musique. Eh, vas-y. Attends. Vas-y, je vais tester le lecteur un peu. Ouais, ça fait vraiment musique vieillotte, quoi, genre. On dirait une musique enregistrée. Bon bah voilà, bienvenue dans mon stream. Ah, ils ont reçu un œuf, blablabla. Ah, c'est vraiment les sons de Diamond Reaper. Hein. Ouais, franchement, non, je préfère les actuels. Hein. Enfin, écoutez, elles sont tellement plus agréables. Et t'as pas l'impression que c'est des musiques enregistrées. Ça, c'est le défaut ouais, des anciennes musiques, c'est qu'ils les ont pas du tout retouchées. T'as vraiment l'impression, ils ont gardé un point MP3 random d'une vidéo YouTube et paf. Et encore, même les vidéos MP3 de YouTube, elles sont de meilleure qualité, quoi. Le Joy-Con Drift, ouais. Oh là là. Bah voilà. Bienvenue dans ce streaming chasse. Le Masuda, c'est le plus long, hein. Après, une chance sur 700, ça va. Quand même. Non. Bon, normalement, on arrive si tout va bien. Tiens, on va en rechoper un autre. En vrai, j'ai pas besoin d'avoir 20 000 œufs non plus, hein. Ça fait 4 heures que je chasse, waouh. Et tu chasses quoi, Tarsal? Tu l'as eu, ton Tarsal, toi? Hein? Balabala. Ça passe clairement. Ouais, mais vu que tu mets vraiment 20 ans à en avoir un seul. Et là, imagine dès le premier. D'ailleurs, je précise, c'est la deuxième fois de ma vie que je fais de la chasse de Shiny par Masuda. Et le premier, c'était Ponyta de Gala. Je l'ai pas eu, Shiny, parce que j'en avais marre. Ah oui, je crois que c'est un œuf de Géant Mignon, ça. Mais ouais, en fait, ça sert à rien que je les garde, les œufs. Alors lui, il est quoi? Il est foufou! Non, moi, je suis un fou de la chasse. Et un mur, une chance sur 400. Sur 4000, pardon. Malade. Mais complètement fou. Bah, du coup, dès que je fais éclore un. Dès qu'il y en a un qui éclos, je vais le récupérer dans le PC. Bon, en fait, c'est ça. T'as pas besoin de spammer les œufs. Il suffit juste d'en avoir 5 à chaque fois. Et voilà, tu te fais pas chier, quoi. Barpo Shiny qui est pas beau hein, d'ailleurs. Je vais voir quand même s'il n'y a pas un gif plus beau de lui. Phibas Shiny. Voilà, j'ai une image, mais moi je voudrais un beau gif. Ah bah là j'en ai un beau. Ah bah même là il est très clean. Oh bah vas-y, attends, je vais récupérer celui-là. Parce que là, il est piqué lié. T'es pas beau. Attends, paf. Ah oui, vu que j'utilise, je peux pas le supprimer. Tac. Tac. Voilà. Là, il est joli. Là, il est pas pixelisé. Les autres, je m'en fous parce qu'ils sont petits, mais le Pokémon que je chasse actuellement, ouais, faudrait qu'il soit un peu joli, tu vois. Là, il est bien. Moi t'aimes bien. Moi j'ai fait 4 fois du Masuda dans ma vie. Ouais, mais est-ce que toi au moins t'as vu les Shiny? Parce que moi au bout de 700, moi au bout de 500 Ponyta j'en avais marre, tu vois. Ah? Ah, ils peuvent éclore en même temps, je savais pas. Pour un Flamiaou que j'ai eu en une nuit. Oh la chatte. Un Brindibou que j'ai eu en 9 mois. Un Mos de Galère en 153 et un Brindigou en 300 et quelques. T'as fait 2 Brindibou. Oh là là, le courage qu'il faut. Ah oui, mais voilà, en fait, le cas où il y en a plusieurs qui éclosent d'un coup. Prudent, foufou. Et toi, tu es quoi?
Tu es timide. Timid. Ouais, c'est un peu chiant qu'ils éclosent en même temps. Bah du coup c'était le deuxième. Hop, attends, je ferme la page, tac tac tac, hop. Ouais, faut pas que j'oublie, hein. Ah, c'est long de faire éclore des œufs. En vrai, heureusement qu'il y a les talents qui permettent de diviser par deux, parce que... CN1, ça serait là. D'ailleurs, technique, il faut se déplacer en diagonale. Parce que le jeu considère qu'il n'y a que 4 directions avec la Pokémontre. Oh, il est normal. Pas chaîne. Mais du coup, je sais pas combien de temps je ferai de la chasse là. Peut-être jusqu'à ce que j'en ai marre. Ah, c'est vrai, ils ont fait un truc. C'est pour ça, si on les a un par un, les barpos, c'est bien. C'est parce que t'as pris 2 œufs en moins d'un cycle d'intervalle. Du coup, forcément, ils ont clos. Ouais, mais j'ai... Ouais. Peut-être. Bon. Continuons. Ouais, ça va, si tu fais un par un comme ça, les œufs, t'en as assez souvent. Oh, un normal. Je suis étonné, dis que donc. Barpo, il est vraiment pas beau hein, quand même. Hein. Il ressemble vraiment à un poisson que tu veux pas. Bon, moi ça va, j'ai la routine. Inclure dans l'équipe. Vas-y, moi je dis proche. Dès qu'on est à 10 barpo, on regarde la nature de tout le monde pour voir s'il y en a une qui m'intéresse. Et après on clone les barpo. En vrai ouais, j'aurais des boîtes pleines de barpo qui me serviront à rien, donc autant les cloner. Hein. Oula, 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 oula. Ouais, ça va tellement lentement comme ça. Ouais, y aura des moments de vide comme ça où j'en aurai pas, quoi. Putain, de faire du vélo comme ça et de faire des... On va dire des allers-retours, ça me fait penser. Je crois que c'était dans Noir et Blanc. Où t'avais un... Tu avais un endroit où tu faisais le tour d'une certaine île. Et tu pouvais monter tes Pokémon niveau 100 comme ça en faisant des pas à l'infini. Genre tu bloquais ton joystick vers la droite. Peut-être Ruby Omega. Non, je crois pas que ce soit Ruby Omega. Genre tu bloques ton joystick vers la droite et tu pouvais faire le tour d'une île parce que la caméra bah, elle changeait de direction toute seule. Et tu pouvais monter niveau 100 comme ça. Et tu restais sur ton vélo, voilà, tu laissais tourner le jeu et paf, t'as des niveaux 100. D'ailleurs, je voulais retourner chasser Regieleki, mais armure m'hypnotise. Mais armure, pardon. Oui, c'est dans Rosa, sur la... Ok. Ouais, parce que je me souvenais que c'était sur 3DS et que je me souvenais que c'était après la 4G, mais je savais plus... Je savais plus quand exactement. Donc ouais, c'est sur Ruby Omega. Donc c'est-à-dire, sur Ruby Omega, je me suis fait chier à monter des Pokémon niveau 100. Alors que dans Épée Bouclier, bah à part mon Galopa, je crois que j'ai pas de niveau 100. Papy vous donne un œuf. Papy. Ça marche aussi dans X-Ray ou dans la tour prismatique. Ah bah ça m'étonne pas hein, qu'il y ait d'autres jeux pour faire ça. Encore une fois, est-ce que c'est pré... Enfin, je pense que oui. Ouais, c'est juste un gentil développeur qui s'est dit « Venez, on fait ça, les gars. » On pense aux joueurs, un peu. Je pense, moi, c'est des gens gentils qui ont fait ça. Qui ont fait en sorte qu'on puisse avoir des niveaux 100 facilement. Franchement, ils font plaisir de ouf, les gens. Est-ce que je l'ai compté, celui-là? Je crois pas.
va le compter. Je sais pas si je l'ai compté. Ah. Encore. Je pense aussi que c'est des gentils devs. Ouais, c'est des gentils devs chez Game Freak. C'est juste les décideurs qui posent problème. Et les devs aussi de Diamant et Perle, ils sont sympas. Hein. Ils font des patchs pour patcher les bugs et pas pour améliorer des choses. Non, mais c'est cool. Un Pokémon qui a mis un œuf. Putain, mais il baisse beaucoup quand même. Hein. Prends-en grand, bien soin. Comment ça, prends-en moins? Oh merde, j'ai envoyé dans une boîte Pessaï. Tiens, bah vas-y, je regarde. Ah bah c'est bon, on a déjà un assuré. Bah du coup on va switcher le assuré avec le l'actuel quoi. Peux-tu récupérer ton Pokémon? Oui. Peux-tu récolter? Non. Ravi, il faut garder jusqu'à 2 Pokémon. Oui. Donnez mon assuré. Ah oui, attends, il me faut un item que je veux. C'est quoi? C'est la pierre stase? Allure. Depuis la quatrième génération, l'objet ne fonctionne plus sur Kadabra. Pourquoi Kadabra? Alors, si le parent femelle ou métamorphe tient la pierre stase. Ah. Ah oui, du coup, merde, il me faut un barpo femelle en fait. Vas-y, je fais encore 3 armures et après je passe sur Régie. Merde. Faut que ce soit la femelle qui ait la pierre stase. Ah, c'est une chance sur 2. Ah, je croyais que c'était 100% moi. Oh, c'est chiant. Ah, attends, c'est à partir de platine. Mais ça se trouve dans les remakes. Attends, pierre stase, Pokémon, diamant, étincelant. Si ça se trouve, la pierre stase a les effets de la actuelle, tu vois. Oh. Attends, tout le monde. Y'a pas un truc pour la pierre stase là? Jeu vidéo. Pokémon Diamondo. Objet. Liste et localisation des objets. Pierre stase. La pierre stase. Tenue par un Pokémon, celui-ci n'évoluera pas. Tenue par la mère. Ou métamorphe à la pension. Ah putain, ouais, c'est la mère. Ouais, donc non, il nous faut un en fait, il nous faut un barpo femelle avec ce talent. Sinon, je suis baisé. Oh. Oh, en vrai, attends. 5 sur 2. Oui, c'est 1 sur 2, c'est vrai, c'est mieux que 1 sur 24. Bon, attends, vas-y, on récolte les deux, là, je me suis trompé. Bah, du coup, je vais donner une pierre stase à Barpo. Ah oui, mais attends, c'est pas ce Barpo-là que je veux, moi. C'est le Barpo assuré. Ah mais j'ai pas de pierre stase. Ah non, là c'est les L. Ah voilà. Ah bah voilà, c'est bien ce qui me semble, j'en ai plusieurs en plus. Mamie garderie. Je veux mettre mon barpo et mon métamorphe. Mon métamorphe du Japon. Bon bah t'es parti là. Paf! Ah, c'est toi, ils vont bien, ils ont l'air de s'entendre. Comment ça? Moi, je veux qu'ils s'en...
Moi, je veux qu'il fasse plus que s'entendre. Voilà. Vous ne voulez plus de musique? Oh, déjà! Paf! 8. Shiny, 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 shiny. Ouais! En vrai, ça va vite. Je trouve que c'est pas si lent que ça. Bon, après, j'ai une chance sur 700, quoi. 314. Aïe, 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 toujours rien. Tu es désappointé. Prends-en grand soin. Oui, papy. Papy, papy. Oh, les enfants. Oh. Paf. Et de neuf. Allez, j'ai ça plein de moi. Ah, shiny. Moi, je veux des assurés ou des shiny. Moi, je veux des assurés femelles. Paf. C'est bon, le bonbon. Là, c'est cool. Allez, hop, oh, un beau matin, ils t'ont fait un œuf. Quoi? Encore. T'as fait beaucoup, là, non? Eh, le terme... En termes de chiffres, les gars... Ça dépasse 5 chiffres. Bah ouais. J'ai ajouté dans ma... Ah merde, j'en ai 2 du coup maintenant. Bah tant pis. J'ai ajouté dans ma tier list. Moi j'aime bien. Ça dépasse 5 chiffres. Oh, un beau matin qui est cet après-midi. Veut t'inclure. Mais du coup, métamorphe, quand il se reproduit, il peut être mâle ou femelle. Peut-être parce que les mâles et les femelles, ils ont vraiment aucune différence quasiment à chaque fois. Sur Platine, il y avait une distribution de Milumilus Shiny. Ah ouais? En même temps, il est très beau. D'ailleurs, c'était hier, j'avais parlé d'un truc. En mode, c'est trop dommage que les PNJ peuvent pas avoir de shiny. Parce que Peter, bah, son Léviator, normalement, c'est le Léviator rouge. Dans Ruby, Saphir, Emerald, normalement, Pierre Rochard, il a un Metalos shiny. Comme dans l'anime, en fait. Merde. Et il me semble que Givrali... Il me semble que le Givrali de Cynthia est censé être shiny. Mais je suis pas sûr. C'était un strat en plus. Je l'ai dans ma team platine. MDR. Quelle chance. Moi, les espèces d'event que j'ai fait quand j'étais petit, j'en ai pas. Dans Diamant, Perle et Platine, j'en ai fait aucun. Dans le Soul Silver, je crois pas. Par contre, je me souviens que dans Noir et Blanc, j'avais eu Keldeo. Bon, je crois que c'est la seule fois où j'ai eu un truc. Et je me souviens, j'allais tout le temps en Micromania pour voir s'il y avait ou non des événements. Et j'allais les demander au mec. Ah, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a des événements, un pote là. Moi, j'allais voir en tant que petit con là et. Ouais, je les embêtais. Moi, je voulais mes Pokémon. Hein. Mais je crois que j'ai eu que Keldeo comme ça. Barpo. Et en plus, je me dis, mais le nombre de barpo qu'on aura comparé au nombre d'Evoli hein, et au nombre de Tarsal. Tarsal est bien plus rare. Prends-en bien soin. Ah merde, putain, je me suis trompé. Non, je vais pas sauvegarder. Non, oh. C'est parce que je spam B. Putain, mais j'ai encore fait un Hermur sans faire gaffe. Encore. Bon, est-ce qu'on a une femelle Non. Y a pas de femelle avec la bonne nature.
1, 2, le œuf est clos. Shiny, shiny. Oh. D'ailleurs, j'ai fait un mystère shiny sur Ruby Omega. Attends, sur Ruby normal. Attends, RO c'est Ruby Omega. En 3500 dans l'herbe. Bah, j'étais un peu déçu, même si c'est cool un shiny. Bah, je me doute bien. C'est cool un shiny. T'as pas le droit de te plaindre. Moi, le seul shiny que j'ai eu par hasard, c'était un Argoust, d'accord? C'est le seul shiny que j'ai eu avec une chance sur 4096. Bon, sinon, j'ai eu que Notor où j'avais une chance sur 3000 là, mais bon. Je faisais du radar et c'était lui que je chassais, donc bon. Ouais, Mister, il est vert en shiny, je sais. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça d'ailleurs. Parce que si ça se base, si les shiny de la 1G se basent sur un algorithme, c'est pour ça qu'il y en a autant de la même couleur. Pourquoi Mister, il y a cette couleur qui n'a rien à voir avec d'autres Pokémon bleus de base, enfin. Et où le jeu? J'aurais préféré Lumivol Shiny d'ailleurs. Moi j'étais en mode tout à l'heure. Si dans un let's play je devais avoir un Lumivol ou un Musiol, je l'appellerais. Comme le délire que j'ai avec oiseau, avec les Graou. Genre Graou de la Terre pour Karchakrok. Oiseau du ciel pour mes oiseaux. Et là, Milobelus que je vais appeler poisson de l'eau. Je l'appellerai insecte Osef. On prend l'animal général, l'oiseau, poisson, insecte pour eux. Et insecte Osef. Parce que vraiment, de tous les insectes du jeu, je trouve que Lumivol et Musiol sont les plus Osef qui existent. S'ils ont vraiment rien de particulier et ils sont pas ouf. Un sac de la nuit. T'as Papillord. Ouais mais Papillord ça va. Parce que c'est l'évolution de Shunity et putain mais... En vrai c'est chiant qu'il y en ait deux par deux à chaque fois. Il fait de la lumière la nuit car c'est une Musiole. Ouah super. C'est cool de ouf. Waouh. Je sais pas, attends, j'ai regardé sur le internet tous les Pokémon insectes. Tier Maker Insect Pokémon. Attends, Pokémon Bug. Le Bug Type. Alors, on a quoi? Oh, attends, il y en a trop peu là. Ah bah voilà, là il y en a un peu plus. Mais il n'y en a pas tant que ça en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah oui, quand même, 12 x 8, c'est pas mal en fait. Ok, Brutapod là, un max de style. Ah, tu vois, ouais, voilà, t'as des Pokémon comme Brutapod qui sont. Waouh. Genre Chenipan, Crisacier, Papillon, voilà, ceux des classicos, voilà, c'est. C'est la première génération. Dardarnian, pareil, tu vois. On a un beau petit papillon qui a une petite histoire avec l'animé. Dardarnian, c'est une abeille. Enfin, c'est une guêpe plutôt. On a Parasect qui ont un petit style. Un crabe avec des champignons. Mimitos Aeromide, bah là déjà, insecte Osef. Hein. Un sécateur qui est stylé. Scarabrut, bah voilà. Coxyclac et Coxy, ce sont. Des coccinelles, donc ça va, c'est sympa. Hein.
Ah, j'ai cru voir un assuré, mais je crois que c'est un mâle. Ah merde. Ouais. Ah non, c'est une femelle. Ah bah c'est bon, hein, on va switcher. Mais... Putain, mais mec, je crois que j'arrive pas à aller en bas. Voilà. Ah bah là aussi c'est un assuré d'ailleurs. Mais mec, j'ai que des assurés. Ah bah je crois qu'en fait c'est bon, ça marche. En fait, qu'il soit mâle ou femelle, ça marche l'objet. Parce que là j'ai que des assurés. Bon bah je pense qu'on est bon. Hein. Après on a quoi? Bah ouais, coccine, coccyclaque et coccu, bah c'est des coccinelles donc c'est cool. Migalos et Mimigal, bah ce sont des araignées donc why not. Fortress et pomme de pique, pomme de pique ouais mais Fortress, je comprends pas trop ce Pokémon, pourquoi pas après mais... Si Alex, voilà. Caractroc il est vraiment marrant je trouve, espèce de tortue voilà quoi. Scarino très stylé. Chenipot qui évolue en Charmillon ou en Papinox. Why not, t'as un peu papillon de nuit dégueulasse et papillon tout court. Arakdo et Mascadra. Arakdo cool mais Mascadra je comprends pas trop l'évolution mais bon. Ningal qui est sympa avec Munjask, enfin Ninjask et Munja. Musiole et Lumivol, voilà vraiment Osef des milliards tu vois. Vraiment rien de spécial. Ils font vite fait musicaux comme Pokémon. Anori Thermaldo, ça va honnêtement. Bah de toute façon ils reprennent vraiment un insecte préhistorique donc bon. Krixi qui est Melocric, bah vraiment un design vraiment original, vraiment musical. Juste à leur cri tu l'entends et jusqu'à leur design tu le vois. Chenity, Chenizel et Papilord, bah très Osef mais au moins tu vois ils se démarquent des autres insectes Osef. Apitrinia Pyrène, bah des abeilles, on aime bien les arènes. On aime bien pardon les abeilles. Yann Mega qui est mon insecte préféré. Archeus insecte qui est vrai, hein, c'est un type insecte, mais bon. Larveillette qui est tout mimi. Manternelle qui est une montre religieuse qui est vraiment sympa. Ah oui d'ailleurs, hop. Après ouais, on a les trois stades d'évolution de Brutapod et Venipat et Steel. Tu sens vraiment pour une sous-évolution. Tu sens quand même que le machin, faut pas le faire chier, tu vois. Scobolite sans plus, mais ouais, Brutapod, très stylé. Krabarak et Krabi, bah t'as l'impression que c'est un paras moderne et bien pensé en vrai. Mais encore une fois, on reprend le concept du crabe qui a quelque chose sur son dos, tu vois. Bon après, non, c'est un Bernard l'Ermite, donc non, c'est pas pareil. C'est pas pareil en vrai. Après Carabing et Escargot sans plus, par contre Limaspeed et Lansargo, vraiment pas mal. Statitic et Megavolt, Statitic trop kawaii et Megavolt vraiment très sympa en design. Fermite voilà, c'est vraiment une fourmi d'acier, vraiment il y a... C'est juste, t'as pris la fourmi, t'as pris l'acier, t'as un nouveau Pokémon. Pyrax papillon de feu, qui est très stylé, qui est très fort aussi. Genesect vraiment sans plus. Après on a Prismillon, bon assez Osef, mais de toute façon c'est la 6G, je suis pas fan de la 6G. Il y en a beaucoup plus des insectes dans Soleil et Lune. On a Lucanon qui est très stylé. Ouais on a Rubombelle et Bombidou très Osef. On a une nouvelle araignée d'eau dans Soleil et Lune. On a Sermurai qui est vraiment très stylé, bon Sylvalier insecte aussi. Après on a les deux chimères insectes, why not. Et dans la 8G, on a l'espèce de coccinelle encore là, qui vaisseau spatial qui est assez spécial, je suis vraiment pas fan du design. On a Scolossandre qui lui est vraiment pas mal pour le coup. On a Frisoni qui est méga kawaii, qui est méga mignon comme Pokémon. Et on a Belle des Neiges, bien évidemment. Voilà, ouais non mais les insectes en vrai ça va.
Heureux, désolé, j'étais parti voir ma famille. Oh, t'inquiète, y'a pas de soucis. Bon. Non, mais du coup, bah, j'ai regardé une tier list des Pokémon insectes pour voir bah, tous les Pokémon insectes du jeu. Et honnêtement, il y en a plein que je trouve vraiment bien. Vraiment, pour moi, ouais, du coup, par rapport à ce que j'ai dit, les pires insectes pour moi en termes de zéphitude, c'est. Et qui sont pas trop originales, c'est Mimitos, Chenipot, Musiole Lumivole. Prismillon. Et Bombidel. Enfin Bombidou et Rubombelle, mais c'est vraiment parce que j'aime pas trop les Poké. Je les aime pas trop quoi. En même temps c'est des types fées, comment les apprécier fin... Je sens que je commence à fatiguer, mais en même temps, j'ai pas beaucoup dormi. J'ai dû dormir 6 heures cette nuit, je crois. Prismillon, c'est 7 ans. À cause de Papillodance, non? Numéro de deck 666. Ah! Après, avec Papillodance, c'est chiant à affronter, quoi. Genre, s'il arrive à en caler plusieurs, tu sais qu'il va te faire chier. C'est pas forcément très fort. Si après, non, je crois qu'il a une bonne attaque spé quand même, Prismillon. Il doit avoir une bonne vitesse et une bonne attaque spé pour que Papillodon soit dangereux avec lui. De même que Charmillon d'ailleurs. Hein. Charmillon, tu peux totalement finir le jeu avec un Charmillon. En spammant les statues et les Papillodon. C'est pas au niveau d'un Pyrex, mais c'est bien chiant. Bah quand même. S'il peut se placer, il va te faire chier. On dirait que je plisse ses yeux, mais en fait, je les ai juste fermés parce que je suis fatigué. Mais en fait, là, je fais comme la chasse d'Evoli d'hier, ça m'ennuie. Me fait chier là. En vrai, vraiment, les streams chasse, faut que je regarde un truc à côté, sinon je me fais chier. Mais je sais pas, faudrait. Qu'est-ce que je pourrais voir comme vidéo pour faire passer le temps? Je sais pas trop quoi voir. Bah, des speedruns, des let's play. En vrai, c'est bien des let's play aussi là. Je sais pas, je pense que je vais faire une cinquantaine de deux. Et après je pense que je vais me reposer dans mon lit. Ça me paraît bien de faire ça. Shiny. Putain, et après il va falloir. Ah putain, en vrai il va être chiant Milobelus. Qu'il va falloir le monter en bonheur, le monter en bonheur, le monter dans la beauté là. Merde. Non. Non. Bah attends, on en parle de une chance sur deux là. Depuis que j'ai changé, j'ai que des assurés. je crois qu'on a 100% de l'avoir. Je suis pas sûr. Hein. Ah oui, je suis allé chez le coiffeur today. Bah ça va. Bah écoute moi. Bah ça va. Faudrait que j'y aille prochainement. Prochainement, mais je pense que je vais y aller avant de partir en Irlande. M'en fous, hein. j'ai pas besoin d'y aller avant. J'ai pas besoin d'y aller tôt, pardon, ce que je voulais dire. Et je vais repartir sur la longueur précédente qui était vraiment clean en vrai. Et elle a un bon taf en vrai de la coiffeuse parce que. Je l'ai fait cet été, j'y suis allé cet été.
Et à chaque fois que je les ai laissés pousser tranquillement et ma coupe était clean tout le temps, tu vois. Et c'est assez fort en vrai. Parce que d'habitude mes cheveux, bah très vite ils repartent en couille mal, tu vois. Et là non. Tout est clean. C'est juste là mes cheveux ils commencent à s'abîmer, mais c'est parce que ça fait. Ouais, ça va faire presque 6 mois. Je pense que si j'y vais tous les 4 mois, vu la longueur que je vais entretenir à peu près, on va dire. Je pense qu'il faut que j'aille en soi à peu près tous les 4 mois, genre 2 à 3 fois par an. Putain, la bouche de Barfoy me fait penser à la... à l'espèce de créature de sport dans... du JDG. Là dans le let's, enfin dans le, les vidéos sport qui sont sorties là. Avec le Vaginex. Oh, ils ont fait un œuf. Je ne m'y attendais pas. Je veux inclure dans le équipe. Ah mais j'en ai eu deux. En vrai ça va, j'ai pas beaucoup de latence hein. Regarde, gauche, droite. Gauche, droite. Oh, un nouvel œuf. Encore. T'as fait beaucoup là, non? Le encore, je le trouve très fort d'ailleurs. Bon, quels sont les probas? Au bout de combien on l'a? C'est une bonne question. Fatigue. Je sais pas, en plus j'ai des vidéos à voir. Ah mais putain, c'est vrai que j'ai deux par pot là sûrement. Au pire, ça nique le duo de Barpo là qui veut tout le temps éclore en même temps. Moi, je pense 431. Très bien. On verra. Et au bout de combien de... je m'endors? Ça, c'est une bonne question à poser. Ouais, franchement, ça va. Je pense, vas-y, on va pas atteindre les 50, on va atteindre 2 heures de stream. 25. Vas-y, je vais essayer de rester encore une demi-heure. Histoire voilà, de faire un minimum de stream de 2 heures, tu vois. Aïe. T'es fatigué. Parce que de me lever tôt quand je joue toute la journée en stream, là ça va. Mais par contre, si je vais travailler et que c'est que 5 heures, bah, je suis crevé. Après c'est normal, c'est fatigant, je suis debout toute la journée, je suis même pas assis, je suis vraiment debout. Là. Tous les jours c'est le cas. C'est embêtant. Wow. Sans la fatigue quand même. Hein. Ah, c'était pas comment, ils ont lâché des œufs. Il a fait des pépites de chocolat, mais on sait pas qui. Le 1 clair d'un le équip. F rejoint votre équipe. Je suis où? Oula.
Comment j'ai fait pour aller là? J'ai fait full droite. Oh putain. Bon, au moins l'avantage c'est que si je vais quelque part et que je m'endors un peu, bah je vais être réveillé parce que j'entends que je suis pas du tout à un endroit normal. Genre si ça fait des sons de Mario où je veux taper un bloc que je peux pas péter. C'est que c'est bon. Je suis sur le bon chemin. N'empêche, ça fait 10 mois que je suis bloqué sur bouclier pour avoir réagi. Elle est qui, Shiny? Écoute, bon courage, hein, j'ai pas grand chose à dire. Écoute, est-ce que toi t'avais une chance sur très très peu que ça t'arrive? Ah ah! Parce que moi, Tarsal, bah, le jeu m'en veut. Et vraiment, il se passe des probas énormes qui dépassent vraiment 5 chiffres pour le coup. Et c'est très frustrant. Et je me dis vraiment, j'aurais pu avoir plusieurs shiny par hasard. Je le vois dans la rediff où je suis en train de regarder l'écran et à un moment bah, je ferme les yeux et je suis perdu. Bon ça va, en vrai c'est assez rapide. Après je crois que dans l'épée de bouclier je suis pas sûr d'avoir le charme. Je suis pas sûr d'avoir le... On va dire le courage pour le faire. Allez, let's go. Continuons. Bon, ouais, franchement, ouais, je m'arrête à 30. Je m'arrête à 30 là, je vais pas. C'est trop compliqué. J'ai envie de dormir. C'est horrible. Ah vraiment ouais. En fait faut vraiment que je regarde des vidéos hein, à côté. Hein. Bon, vas-y je m'arrête maintenant. Vas-y c'était le dernier. Bon c'est un stream court mais au moins on a commencé la chasse. Et on aura eu pour Rigon. Ça aurait été trop marrant de l'avoir maintenant. Ouais non mais je m'endors à moitié en fait. Non bah tant pis. Voilà, bon je ferai du Pokémon Unite tout à l'heure du coup. Et vu que j'ai mangé à midi, je vais peut-être manger tôt. Et je ferai du Unite assez tôt. Et demain vu que je commence pas le matin, je vais pouvoir m'endormir plus tard que d'habitude et ça c'est cool. Bon bah vas-y je save et écoute. Bah voilà, c'est la fin du stream. Bon désolé hein, c'était court mais franchement pour ça j'avais hésité. Là j'étais en mode vas-y je vais faire de la chasse toute l'après-midi, je vais lancer un stream direct. Mais j'avais pas pris en compte que j'allais être fatigué. Et voilà, parce que mardi ça allait mais je m'étais couché assez... Mais non, je m'étais même pas couché plus tôt pour toi. Bref, bizarre. Bon, à ce soir peut-être. Et à la prochaine. Allez, salut.